Bienvenue, bienvenue tout le monde, nous sommes de retour pour un nouvel épisode de Pioneers of Pagonia. Encore du Pagonia, mais comment ça se fait? On fait toujours les mêmes missions? Mais non, pas du tout, pas du tout, E.T., nous faisons des nouvelles missions, et juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, bref, à aimer le contenu de la vidéo, et surtout à ne rien rater en appuyant sur la cloche. Oh mon dieu! Et nous sommes de retour, et de rôter même d'ailleurs, pour continuer des bêtes de la, dans la brume. Alors pour continuer les missions et commencer la première grosse mission, il n'y en a plus que deux, des bêtes dans la brume. A savoir qu'après ça, on aura fait le tour de Pioneers of Pagonia et de ce qui nous offre pour le moment, parce que le jeu vient juste de sortir et qu'il faut attendre l'année qui arrive pour avoir des nouveautés. Voilà, après c'est sûr, on peut personnaliser une carte, voilà. Mais là, dans les missions, ce sera fait, les enfants, et il faudra attendre le mode campagne pour qu'on puisse s'amuser. Donc j'espère quand même que vous appréciez que j'étire au maximum votre magnifique série préférée, celle qui cartonne le plus en ce moment sur la chaîne, pour votre plaisir immaculé. Oh là là, il dit plein de trucs, c'est tellement bien dit. Ah, oh, mon dieu. Eh oui, t'as vu ça comme si c'est bien dit. Eh bien écoutez, nous lançons. Et nous allons voir si on en a dans le caleçon. Donc nous sommes de retour avec notre bonne vieille embarcation, notre navire de débarquement avec tout plein de matos. Regardez, tout plein de matos. Et sur cette magnifique île, on va devoir faire gaffe parce que dans cette brume opaque, il y a peut-être... Oh, regardez, des campements, je sais pas ce que c'est. Bref, il y a des choses qui se passent, il va y avoir des ennemis qui vont trépasser, et on va, de ce pas, commencer à crafter. Alors, j'ai remarqué deux, trois petits trucs à force d'y jouer, pour ceux qui aimeraient bien avoir mon ressenti au fur et à mesure. Le jeu, eh bien, sauf que tu ne peux pas construire là où il y a des choses. Vous voyez, ça les enlève pas, comme dans n'importe quel STR. Donc, le problème, c'est que tu es vite limité à ton emplacement généré aléatoirement sur la carte. Donc, le problème, c'est que si tu veux faire des grosses villes, eh ben, tu l'as dans l'os. Il faut vraiment que tu... Bah, vous avez vu, hein, à chaque fois, c'est complètement éclaté. Et je trouve que c'est un souci qui est fameux. Hein, ça, c'est un souci, il faut... Enfin, voilà, ça pue, hein, je vous le dis direct. Donc, il va falloir faire avec. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule sur le jeu. D'accord ? Mais c'est pas ça que... Oh là là ! Oh là là, le jeu ! Le jeu, il fait n'importe quoi. Le jeu, je lui ai pas demandé ça. Mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est un petit souci de gameplay. J'espère que ça va être vite corrigé. Comme le fait que quand vous faites des constructions, vos bâtisseurs sont bloqués à la construction. C'est-à-dire que si vous faites des constructions et que vous n'avez pas le matériel pour, ils vont rester bloqués à la construction qui n'est pas terminée, tant qu'elle n'est pas terminée. Donc si tu n'as pas une super chaîne logistique avec tout ce qui est crafté, et bah, tu l'as dans l'os et tu te retrouves bloqué. Et tu ne peux pas dire arrêter la construction, on la reprend, tu la mets en pause. Non, tu es obligé de la supprimer. Voilà. Donc c'est un peu... Un peu le bordel. Bon, bref, vous avez compris. Qu'est-ce que tu vas me faire? Trois trucs. Alors, on va en mettre deux. Parce que il me faut du matos. Donc, on va commencer. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus potable dès le départ au niveau des ressources. Ça va être peut-être un peu compliqué. Complicado même, d'ailleurs, les enfants. Mais on va essayer. Donc, je vais mettre deux stockages à chaque fois. Deux bois durs, deux bois tendres. Et nous allons mettre un stockage de bois à brûler, qui est essentiel pour pouvoir continuer. Donc là, nous avons notre base. Ce qu'il va falloir dans un premier temps, ça va être une tour de garde, il nous faudrait 6 pierres. Dans tous les cas, il va nous le falloir, parce que la pierre est ici, j'ai vu ça tout à l'heure, enfin quand on a lancé. La pierre est ici, et on va devoir en mettre une ici. Donc là, déjà, on va s'occuper de ça en priorité. Donc là, regardez, ça fait un bonhomme avec des cheveux. Oh là 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 là, avec un gros... Pardon. Il parle mal, hein, quand même. Hein. Oh, ça va, ça va, ça va. Vous êtes les premiers à taper porn sur Internet, donc m'embêtez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que... Ben, je vais le mettre là. Je vais mettre le puits ici, qui va nous servir pour nos deux forestiers. Il va nous falloir, donc ça qui se dépêche très vite... à le faire. Il va nous falloir dans un deuxième temps, donc ça c'est fait, il va nous falloir les planches.
Les planches vont être ici. Les planches, il y en a trois sortes. Enfin, il y a deux sortes et de toute façon, c'est pas grave. On va les mettre là. On va mettre les premières planches, les enfants. Planche en bois tendre. Planche en bois dur. Donc là, c'est fait. Derrière, à côté, nous allons faire... Il est où ? Ça nécessite de la pierre, mais la pierre, elle va nous servir... Est-ce qu'on aura assez de pierres ? Oui, on va avoir assez de pierres, ils vont pas nous embêter. C'est que là, je vais essayer d'aller le plus vite possible pour avoir ma menuiserie, mon machin, tout ce qui est bois, ici, vous voyez. 3, 4. Il me faut 3... Alors, attendez, on le fait comment ? On le fait comme ça ? 1, 2, 3... Si ça veut bien... Et de 4. Et on pourra améliorer si on doit agrandir nos constructions. Donc ici, on va avoir la lance en bois, la torche, le bouclier en bois, et normalement, de mémoire, c'est mis dans les outils, c'est un arc. Ça, c'est fait. Il va nous falloir, vite, qui se grouille, on va mettre... Hop, le x5, c'est ça aussi, c'est un peu dommage. Le x5, c'est le truc maximal. Et ça, ça m'énerve un petit peu. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. Faudrait qu'ils avancent et en priorité, elle, je vais la mettre en pause. Et elle va s'agrandir. On s'agrandira de l'autre côté plus tard. Je vois qu'on a des points là, mais c'est du minerai de fer, on le prendra après. Dans un premier temps, il me faudrait de la pierre. La pierre, ça va être important pour commencer. Parce que... je vais commencer à la crafter pour pouvoir me faire une ferme qui va me permettre de faire du tissu. Parce que chaque entrepôt nécessite du tissu, vous voyez, et des poutres en bois. Mais les poutres en bois sont ici, ils vont s'en occuper, il y a zéro souci. Les poutres en bois, on en a un peu. Il va falloir se grouiller, les gars. Et un hall de guilde. Et... J'ai oublié un truc. Non ! Excusez-moi. Je me suis fait troller. Voilà. Et. Il est où ? Un ravitailleur. Très important. Donc là, c'est la base. C'est fait. Donc là, on a du charbon. On a de la pierre ! On a de la pierre. Magnifique. Donc, on a de la pierre, on va avoir une carrière de... Alors, je regarde la carrière, oh, ça va tout englober, elle va pas nous embêter. On va la mettre là. On va mettre ça comme ça. Le problème, c'est que, vous voyez, quand je vous dis la génération, là, ça met des carrés, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, du tout. Je peux mettre là. Ou là. Mais le problème, c'est qu'il me faut un tailleur de pierre. Et le tailleur de pierre, les enfants, c'est lui qui va gérer. Il va même m'en falloir deux. Je vais en mettre deux, vous allez voir. J'en mets deux. Il y en a un qui va gérer les bornes, les Elisabeth bornes, et puis il va gérer le reste. Donc ça va faire trois trucs. Nous allons avoir... Ah non, quatre trucs même d'ailleurs. Je vais mettre quatre trucs. Nous allons avoir la pierre qui va arriver. Nous allons avoir le calcaire, parce que le calcaire va nous servir à faire du béton, mais on verra ça après. Et donc, la pierre va nous permettre après de faire des bornes. Et si ça veut bien, des tailles de pierre. Lui, il va s'occuper de la taille de pierre et lui va s'occuper des bornes. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont ? Attente de repas nourrissant. Ça arrive. Ça arrive, mais attends. On oublie un truc intrinsèquement. Les chasseurs. Deux chasseurs. Et là, ça va être un souci en soi, c'est qu'on va mettre la bouffe. On va mettre la bouffe ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a le truc pour faire la bouffe en face. Enfin, mon ravitailleur de viande. Là, et je vais mettre les pots ici, parce que dans tous les cas... Et d'ailleurs, c'est même pas ça, c'est un produit naturel, les pots, ici. Et on mettra les autres trucs de nourriture ici. On va se faire un gros stockage de nourriture ici. Voilà. Allez. Faut commencer à produire, les gens.
Et il me faut un hold des guildes aussi. C'est bon. Voilà, c'est en train de fabriquer. Vous voyez, le problème, c'est que ils sont là, mes bâtisseurs, vous voyez, parce que là, c'est pas fini. Voilà, tout simplement. Et c'est un peu chiant, ça. Hall des guildes, très important. Je vais le mettre ici, dans tous les cas. Voilà, comme ça, il va me permettre d'avoir un forestier en plus et ma cabane de chasseur en plus. Et là, on sera parfait. Et là, il me manque une pierre. Ah, mais dépêche-toi, parce que là, il va nous falloir des rouages plein la gueule. Des boucliers plein la gueule. Des arcs, une quinzaine. Des lances, 25. Et ça, 25. Voilà. Allez, il faut bosser là un peu, les gars. Et on a les pierres qui sont en train d'être faites. Et à peine elles sont faites, elles sont littéralement reprises. Regardez, hein, elles sont faites, elles sont reprises. Hein. C'est bon ? Vous y arrivez là de votre côté ? Ah, mais c'est parfait. C'est parfait. Est-ce que ça prend tout ? Ça englobe tout ? Mais c'est parfait ! Magnifique. Donc, nous allons prendre un extracteur de charbon. Parce que ça, c'est très important. L'extracteur de charbon. Et le fer, est-ce qu'on a ? Non, on n'a pas le fer. Et est-ce qu'on a le cuivre ? On a le cuivre, on en a un petit peu, mais c'est... ça pue un peu, là. Je vais le mettre là. On n'a pas grand-chose. Pourquoi ça veut pas ? Bon, écoutez. Ça n'a pas envie. On a dit charbon. Si je le mets comme ça... Voilà. On va voir le minerai. Je sais, là, le problème, c'est que je m'éparpille et il faudrait pas que je fasse ça. Non, c'est pas ça. Cuivre. Charbon. Voilà, dans un premier temps, et on fera ce qu'on peut. Et ce qu'il va nous falloir maintenant, vous allez voir, c'est ceci. Mais pour avoir ceci, il va me falloir une ferme céréalière. Et on se fait déjà attaquer. Par qui ? Ils sont là ! Ils sont là ! Les canaillous. Ezo. Faut bosser là. Ouah ! Ouah, la queue chez Zalando. C'est pas Zalando, hein, on aurait dit Darty. Bon, mais c'est pas grave. Pareil, choisissez votre ce que vous avez envie. Là. Voilà. Regardez, je peux pas construire où je veux, quoi. Ça, c'est un enfer. C'est un enfer insondable, les enfants. Je vais le mettre au bout. J'essaye de faire la ferme de... Ouah, c'est mal fait ! Cet enfer ! Non, mais travaille pas dessus ! C'est un enfer. Tu l'as vu toi-même que c'était de la merde. Là. Voilà. Et là, je peux pas plus. Vous voyez, c'est compliqué hein, de crafter comme on veut. Hein, tout ça. Je fais quoi ? Je vais fermer... ah oui, attendez, c'est quoi ? Là. Ok. On a dit... C'était ici qu'on mettait la suite. Je vais essayer de le caler. Et on verra où ça mène après. Là. C'est combien ? C'est 3, hein ? 1, 2, 3. Du blé. Et non, c'est pas ça. C'est du maïs. Dans un premier temps. Et je pourrais même pour gagner du temps. Ah, je peux pas. Pour éviter qu'ils fassent le tour. Voilà, ils peuvent passer par là. Bam. Parfait. Est-ce que ça mine ? Ça mine ? Est-ce que ça c'est... Oh purée, oui, on s'est vachement développé déjà. On arrive à la pointe d'un premier village. Je vois qu'il y en a un deuxième qui est vers là-bas, qui est ici. Mais on voit rien d'autre. On voit des cheminées. Par contre, ce qui va être embêtant, c'est celui-ci qui est là. Il va falloir qu'on s'en occupe et vite. C'est bon, hold the guild. Peut-être même un troisième forestier, parce que je vois qu'il y a un trou énorme là, c'est juste pas possible.
Je vais mettre un autre forestier. Voilà. Trois forestiers pour deux bûcherons. Et regardez, hein, c'est déjà complet, hein, de fou. Ça construit. Hein. Ça construit de fou. La bouffe arrive. On en a 37. Tout le monde travaille. C'est parfait. Il va nous falloir. Par contre, est-ce que on a fait combien de chasseurs? On a deux chasseurs qui bossent. La viande, elle est bien. Par contre, on a besoin de récolteurs. Et j'ai vu que là... Oh là 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 là. Oh là là, les enfants. Mais t'as besoin d'autant? Ben oui, j'ai besoin d'autant, les enfants. La dernière fois, on avait 1000 personnes. Vous voulez que je les nourrisse comment? C'est juste pas possible. Bah, tu les laisses mourir. Non, mais ça va. Je m'appelle pas Macron non plus. Le mec qui parle mal. Je vais pas mettre de trucs pour le bois. Parce que fuck. Des bamboises. Des cèpes. Et on a dit que là, c'était du lin. Voilà, ça m'en fera un peu plus pour faire ma... Ah oui, il faut mon truc de tisserand. Il est où mon truc de... J'avais pas fait un truc de tisserand. Non, je l'ai pas fait, il va falloir que je le fasse. Alors, le truc de tisserand... Je crois qu'il est là. Voilà, le tissage moléculaire. Le tissage moléculaire, on va le mettre où? Oui, on se fait attaquer, oui. C'est en train de rebosser. Qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer, je ne sais pas où, mais on se fait attaquer. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Il va me falloir... Ah non, c'est pas ça. Produit naturel, de la ficelle. Produit naturel, des cornes. Mais arrêtez! Ben oui, mais ils attaquent mes voyageurs. Par contre, c'est... Allez, cassez-vous. On va s'en occuper. On va s'en occuper. J'ai déjà mon idée pour m'en occuper. Parce que vous pouvez voir que déjà, le charbon et le charblol, c'est déjà complet. Donc, ça veut dire qu'il va me falloir... Ma grande... Ah oui, on s'agrandit. Ouais, mais ici, ça va être mon... Ah ben, attendez. Il faut que j'arrive à calculer où je pourrais mettre mon merdier. Ben, je vais mettre mon merdier ici. Je vais mettre mon merdier avec lingots de fer. C'est des lingots de fer qu'on fait? Non, c'est même pas des lingots de fer qu'on fait. C'est quoi qu'on a ramassé? C'est du cuivre. Bon, on le met comme ça, c'est fait. Je sais pas s'il va servir à... Non, il servira à rien. C'est pas grave. C'est pas grave. On aura ça. C'était pas la priorité. J'ai fait n'importe quoi, les enfants. C'est ça qu'il va me falloir. Mais ici, je peux pas. Vous voyez, là... Littéralement, alors oui, il faut tout miner, mais c'est mort, quoi. C'est mort, et là, je peux pas construire. C'est un problème, en fait. C'est un sacré problème. Ce qu'on va faire, il va me falloir une académie militaire ici. Vous allez comprendre pourquoi. Académie militaire avec... Avec, c'est tout, ça ira très bien. L'académie militaire avec un fabricant d'armes... Ici, fabricant d'armes, il a 1, 2, 3, 4. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'en est que 1. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça va me permettre juste de faire des épées en bronze. Et d'ailleurs, quand il aura terminé, je vais lui demander de m'en faire une soixantaine d'épées en bronze. Et il en est où, lui, d'ailleurs? Il est où, là? J'ai plus besoin de ça. Fabriquez-moi ça. Où sont mes... il est où mon hall de guilde? Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que je dois avoir un truc rempli de... Voilà, de boucliers, j'en ai 12. Eh ben, il va falloir te sortir les doigts du huc.
Là, c'est en train de crafter, là, c'est en train de tout faire, c'est formidable. Et là, donc, nous allons commencer quelque chose de formidable, parce qu'il faut qu'on le fasse rapidement. Le but est de foutre sur la gueule aux méchants, je vous le dis. Hein. Je vous le dis direct, hein. Tout de go. Hein. Oh là là, ça me donne envie de chialer quand je fais ça. Je veux dire, le talent, déjà, pour commencer. T'as fini de t'envoyer des fleurs, mais... Oh, et ça va. Ça vous arrive jamais? Non, jamais. Eh ben, vous devriez, ça fait du bien. Non mais, je vous entends vous exciter à chaque fois, là. Donc déjà, on a fait ça avec... La route du bonheur qui arrive ici. Nous allons avoir tout autour, bien entendu, des marchands itinérants qui sont, mais, tellement friqués qui vont vendre tout 400 fois plus cher que ce que tu trouves à l'état naturel. Genre, on est au Laos et on est au Cambodge, les enfants. Ça déconne zéro. Après, à côté de ça, au niveau de la principauté du lac, nous allons faire des maisons, des dépendances. Je vais même faire des grosses dépendances. Des trucs énormes. Hein. Des trucs que vous avez jamais vu ça, que ça existe. Hein. Je suis trop fier de moi. Et on va essayer de tout relier correctement. Donc déjà, c'est relié au centre-ville. Tac, tac, tac. Oh là 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 là. Bon, ils vont être un peu... va falloir mettre à niveau, hein, parce que... ça risque de pencher, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, les enfants. Voilà. Là... Si on me dit qu'ils ont rien pour dormir, j'ai rien compris. Hein. Ils ont de quoi se mettre bien, tout est nickel, on va mettre des petites tables, voilà, parfait. Donc, on avance. Niveau bouffe, c'est pas mal. Du maïs, c'est pas mal, par contre, on n'arrive même pas à avoir de la citrouille ni du pain. Hein. C'est un problème. C'est un problème en soi. Ça y est, vous avez terminé. Oh, mais oui, parfait. Donc, avec les épées sont où? Je parais qu'ils m'ont emmené des épées. Ouais, il y a les épées, machin. Il va me falloir... Oh, on est proche. On est proche, les enfants. 25. 25 pécores qui s'arment. Et qui y vont. Ils y vont, là. En mode ouf dingue. Ouah ! Ah, ça y est, ça prend forme. Ça va être beau ! Ouah, avec les richous, ils sont en haut. Ouah, et les pauvres, ils sont en bas. Non ! Trop bien. Trop bien, on a réussi à faire un truc à peu près correct. Par contre, là, ouais, heureusement, hein, 3, on aurait mis que 2 forestiers, c'était invivable. C'est limite, quoi. C'est limite, c'est limite. Où sont mes... Ouais. Voilà, s'il te plaît. Là, on va laisser... Ah merde, il y a un camp de brigands. Je vais attendre que j'en ai dedans. Là, j'en ai 10. C'est parti. Ils y vont ou pas? J'ai plus de bornes. Ah ouais, je sais. Je sais pourquoi. Bon, allez-y les gars, faut fighter là. C'est qu'il faut que je fasse des... Allez, c'est parti. Oh, ils les tuent facilement, mais ils se font tuer. Oh oui!
Allez-y, allez-y. Parfait! Parfait. Magnifique. Absolument. Magnifique. Donc, à côté. Tant que ça, c'est fait. Il va me falloir une deuxième. En fait, il faut que j'en ai une avec des pécores qui construisent. Parce que les soldats de base, eux, ils agrandissent plus. Ils le font pas, en fait. C'est que les soldats de base qui agrandissent. Ils sont où, d'ailleurs, mes soldats, là? J'en ai combien, là? J'en ai zéro. Il va falloir vous grouiller. J'ai 11. Et 3 gardes. Non, mais non. Bon, enfin, les gardes, on va les mettre, mais... moi, c'est là, c'est mes soldats. Pourquoi? J'en ai combien? J'en ai 10. Ok, parfait. C'est où? Ouais, c'est les autres qui me volent. On va s'en occuper, là. On va les déboîter. Surtout que j'ai mis les étals juste à côté d'eux. Le mec qui cherche pas la merde, déjà. Mais comment ça se fait que j'arrive pas à en faire d'autres? Ah, c'est la production qui suit pas. Je l'ai mise où, ma production de merde, là? Bah, va falloir bosser! Non mais! C'est quoi ce bordel? Parce que les soldats, ils sont vraiment, vraiment tip-top hein, pour prendre les... Vous avez vu, hein, j'ai pris directement. Tour de garde, oui, bah, oui mais bon, il a quand même m'envoyé des... Ça y est, il y en a plus 10 qui arrivent. Et je vais leur demander d'aller là. Avec là. C'est parti. Ça envoie. Ah ouais, mais si t'y vas tout seul, le gars. Hein, c'est possible. Hein. Par contre, c'est attends. C'est chiant parce que je vais le mettre là. Attendez. Et voilà. Parce qu'il m'en faut 10. Et vous voyez, là, les pécores, ils construisent. Voilà. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bientôt construit! Yes! Donc, il va me falloir... si c'est possible. Is not possible. Bah, ici, quoi. Voilà, ça m'en fera deux, ils peuvent se reposer. Ouah, ce chemin, les enfants. Regardez, hein, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Où sont mes soldats? Parfait. J'en ai 10. Allez-vous. Ouais. Ah oui, ils peuvent pas faire de revendications, c'est vrai. Ils attaquent, par contre. Regardez, c'est parti. Ils y vont. Ils y vont. Faut les fumax. C'est parti! Voilà! Voilà! Ah non. Bon. C'était un échec. Un échec de plus. Allez, faut former là, les gars. Faut former. On fait pas des armes pour rien. Formez-les. Ça va, regardez, il y en a encore. On va pouvoir envoyer des gens à la mort encore. C'est bon, recruter un outilleur. Ouais, 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 on va signer les traités de... Ouais, on va signer tout ce qu'il faut. Vous inquiétez pas, pour le moment, je m'expands, les enfants. Et d'ailleurs, en parlant de s'expandre, voilà. Et là, ce sera que des soldats. Faut qu'ils continuent. Hein. Ouah, ça bug. Ouah, merci, le jeu. Faut qu'ils s'étendent. Et comme ça, pour la populace, ils vont se dire « Ah non, il y a quand même une tour de garde, on risque rien. » Enfin non, il ferait « Il y a une tour de garde, on risque rien. » Voilà. Cet enfer. Il n'y a plus rien sur le bateau. Eh, il y a encore du minerai. Hein. Eh les gars, il y a 35... Il y a encore du matos dedans. Il y a encore du bousin. Là, j'en ai combien? J'en ai 10.
C'est très bien. Je vais même exploser votre bâtiment qui ne sert plus à rien. Et là, d'ailleurs, c'est un peu con parce que j'espère que ça les aura pas enlevés. Les chevaliers. Non, ça les a pas enlevés. Faut qu'ils construisent et là, il y aura que des chevaliers. Et là, c'est l'expansion territoriale. C'est mamie qui aime bien le vomi. Et ben voilà, regardez, en plus, il y a de l'argent ici. Il va m'en falloir, ne serait-ce que pour avoir de la... Il y a de l'argent ici? Vous êtes sérieux? Bah, je prends. Je peux cracher dessus. Et l'argent, je vais le mettre... ici! Ressources précieuses. Et là, normalement, il va pouvoir, lui, commencer à faire des lingots. Et les lingots me permettront de me faire de la thune. Et la thune va me permettre d'asseoir mon autorité intrinsèquement intrinsèque dans l'univers expandable de Pioneers of Pagonia. Ouah, les voleurs! Ouah, il faut s'en occuper, là. Ils sont où, là? Ouais, et là... Là, c'est parti! On y va! Ça a voulu nous attaquer! On y va! Parfait! Retournez chez vous. Ouais, retournez chez vous. On va la défoncer. On va mettre la deuxième ici. Parce que je peux pas, en fait, gérer... dans la tour, en fait, c'est vous avez que 10 places. Et donc, je peux pas mettre des mecs qui veulent s'expandre et des mecs qui... Voilà. Enfin, bon, bref, vous avez compris. Des soldats. Il me faut quoi pour avoir des soldats, s'il vous plaît? Des gardes? Attends, c'est soldats ou gardes? Gardes. Il va me falloir des lances Armstrong. Des boucliers, s'il vous plaît. Allez, faut bosser là un peu. Faut bosser du cul très vite. Parce que sinon, ça va pas le faire. Et je vais m'occuper d'eux là. Qui commencent à me gonfler. Je sais, il y a des voleurs. Hein. Il y a des voleurs, des brigands, ils doivent être là-bas, mais on va s'en occuper. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que... Ah non, c'est bon, on a un grand cercle. Donc ben, il a intérêt de se grouiller. Il a intérêt de se grouiller comme il faut. Ça bosse. Hein. Oh là là, ça charbonne. Hein. Avec la main et le marteau. Oh, putain, d'une planche, il en a fait une lance. Mon Dieu, Moïse. Mon Dieu. T'en es où, toi? Parfait. Oui, non, mais ça, c'est... Oui, 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 oui. Il va falloir que vous me fassiez des soldatex. 20, c'est rien. Et comme ça, ils vont aller là, et puis zou, et puis voilà. Là aussi, là, il va me falloir du... Et je peux pas, vous voyez, je peux pas partir en expédition ici parce qu'ils me font peur. Enfin, ils font peur à mes personnages. Donc, dès que je vais les avoir, bam, combat, ta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 m. Et voilà, et plus personne. Regardez, ils sont là, mes explorateurs, ils ont peur. Ah non. Mes explorateurs qui en chient. Oh là là, moi j'habite ici, hein, les enfants. Regardez cette vue. Hein. La vue du jugement. Tu te brosses les dents là-haut, tu regardes de côté. Hein. Tu regardes le pécor qui est en bas. Ça y est, regardez, les chevaliers de la table ronde arrivent. Voilà, très bien. Parfait, les enfants. Parfait, allez, viendez, s'il vous plaît. Ça va être le combat intrinsèque. Parce que là, ils vont se battre. Là, il faut qu'on aime... Ouais, il faut qu'on s'expande, les gens. Allez, zou, c'est parti! La charge héroïque! Fumez-le! Ouais, bon. Il y a eu quelques morts. Ils sont plus que 4, c'est déjà ça. On s'étend. On s'étend, on se rapproche d'eux. Très content. Hein. Bon, là, il y a un autre camp... Oh, punaise, c'est quoi cette... Oh, c'est ça, regardez cette mission, la fumée verte, les enfants. C'est pas des ovnis, mais presque. Il va falloir faire gaffe.
Mais tout ça est bien, hein. Tout ça est plutôt pas mal. On commence à se faire des lingots, ce qui est encore mieux. Donc les lingots, il faudrait une boutique étendre votre territoire. Sur 700, on est à 47 000. Hein. Ah non, sur 70 000, pardon, excusez-moi. Unique à la complétude. Et ben voilà. Camp ennemi détruit. Mais bien joué. Bien joué, les loulous. Magnifique. Magnifique, ma chérie. Bon, ben parfait. Donc, ça, c'est plié. Déjà, ceux qui nous embêtaient. On va avoir des vols, hein, parce que je sais qu'ils volent de pas loin, les abrutis, mais... il me faudrait un tires. Je pourrais le mettre là, le tire, pour les narguer. Oh, oh non, attendez. Oh non! Je peux mettre quoi pour les narguer? Non. Mouais. Oh non! Oh non! Je voulais mettre la maison du jugement. Ou une taverne en plein milieu. Regardez, je vais mettre la bicoque du jugement. On les regarde de haut. C'est de la merde. Bon. Je voulais faire la maison du jugement, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, les enfants. Ah, je suis très content, quand même. On a pas mal évolué. Évolued, même, d'ailleurs. Faudrait qu'on voit jusqu'où on peut aller avec eux. S'il y a des mecs là, ça va chauffer pour eux. Ça va chauffer pour eux. Eh bien écoutez les amis, j'espère en tout cas que ce premier épisode de cette nouvelle mission vous a plu. Moi ça m'a énormément plu. Pour l'heure, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Je repasse en foin, hein, regardez. Oh là là. Oh là là, ça marche. Ça marche vers le bateau. Oh là là, c'est magnifique. Ouh, là, il y a des trous, là, il va falloir reboiser, les enfants. Eh bien, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie tous de votre fidélité. Salut tout le monde.